Bonjour, je m'appelle Jacques Mercier. J'ai fait beaucoup de radio, de télé, de la presse et j'écris des livres encore maintenant. Je voudrais participer, donc avoir une petite contribution à cette belle opération Maman et moi de Mémisa. Le souvenir que je garde de ma mère qui a disparu maintenant, le souvenir de ma mère qui est le plus frappant pour moi est lié au chocolat. Vous savez que j'aime le chocolat, j'ai écrit beaucoup autour du chocolat, je suis un peu gourmand comme beaucoup de Belges. Et donc, c'est un souvenir qui date de l'époque où j'avais à peu près, je dirais, 6 ans, 7 ans, dans ces eaux-là. Je rentrais de l'école à 4 heures, une grande fille venait me déposer chez moi, je pense, et ma mère était seule. Mes frères aînés, on était 4 garçons, étaient encore à l'école, le plus petit n'était pas là, et donc j'étais seul avec ma mère, si vous voulez. Mon père travaillait encore jusqu'à 5h30. Et il faisait beau. J'ai traversé la maison, j'étais dans le jardin, et là, je prenais un plaisir à m'asseoir en haut des petites marches en pierre qu'il y avait, qui donnait sur un petit jardin de ville, où il y avait des sapins, des rosiers, des oiseaux. Enfin, c'était beau, c'était la nature telle que je l'aimais. Et ma mère m'apportait mon 4 heures, c'est-à-dire qu'elle m'apportait une tartine de pain beurré, il y avait aussi une pomme, et puis il y avait un bâton de chocolat, une barre de chocolat. Je mangeais ça dans l'ordre, et puis je terminais par ce dessert, le chocolat. Et en mangeant ce chocolat, je me tournais vers la fenêtre de la cuisine qui donnait sur le jardin. Et je voyais, je la vois toujours, ma mère qui préparait le repas et qui me souriait, qui partageait ce bonheur, qui savait que c'était bon de manger le chocolat, d'être là. Mais c'était plus que ça. C'était un moment de bonheur extrême, d'innocence, je dirais, puisqu'à cet âge-là, j'avais forcément pas de souvenirs, pas de soucis d'argent, pas de soucis d'amour, de sexe, de qui je vais rencontrer, pas de soucis de l'avenir. J'étais tout simplement heureux du moment présent, de la vie. J'avais pas encore d'horizon. J'étais là et l'horizon que j'avais, c'était évidemment le sourire de ma mère qui me rassurait, qui me confortait dans ce bonheur idéal que j'avais. Eh bien, c'est ça que je garde de ma mère.